toujours arrêté au Teng, visite du président de la République du Ghana en Guinée, l'envoyé spécial d'Alpha Condé. Alpha Condé a dit moi, yo aro toro yafie. Quand quoi Alpha Condé ko bonnikon, on ouli Nana Akufo Addo yo aro bisao toro général Oumar Sissoko Embalo fi Allah yo jabu frontière oudité. Maintenant non, général Oumar Sissoko Embalo ni wo kambe be meda ferme de frontière. Be meda ferme de frontière hande be meda ferme de frontière jango be meda ferme de frontière fa jango. Ko Alpha Condé imminitum offert mes frontières. Donc quand au Bissau, ben Maroc, ben Oudi, frontière on a ben Oudi tata. Frontière j'ai dit non Oudi déjà parce que quand ben ferme, quoi fois qu'on déferme, quoi fois qu'on déferme, quand ben ferme frontière. Donc Kofi Doundon, si je vois les perroquets des RPS arc-en-ciel qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucun niveau, ben Bissau est un petit pays. Bissau est un petit pays. J'ai une information très claire le jour même, le jour que le président Omar Sissoko Embalo a lavé proprement Alpha Condé à Accra là-bas. Dans la salle où les présidents étaient réunis et leurs différentes délégations. Après la réunion, je vais dire, après la réunion, le général Omar Sissoko a encore lavé Alpha Condé très très bien devant tout le monde là-bas. Je vous jure, wallah billah. Il a très bien lavé Alpha Condé. Alpha Condé était arrêté. Alpha Condé, il a quitté Accra sans même dire au revoir. Billahi, au nom de tous ceux qui m'est cher. Alpha a pris ses clics et ses claques le jour-là à Accra. Il a quitté Accra pour venir à Conakry. Sans dire au revoir. Sans dire au revoir le jour-là, je vous jure. Dans la salle à huis clos. Le jour-là, après la réunion, dès que le président de la séance, le président qui est là, le président du Ghana, a interrompu le président Omar Sissoko Embalo, parce que là, c'est pas parce que c'est autre chose. Hein. Parce que, il y avait les médias, là-bas, ils ne veulent pas que ça passe. Mais nous, on avait eu ce qu'on voulait avoir. On a eu l'information. Le message a été bien passé. Maintenant, après la salle de la réunion, le général est venu trouver là où tous les présidents et leurs différentes délégations étaient. Il a encore lavé Alpha Condé proprement. Moi, je vous ai dit ça ici. Si Omar Sissoko Embalo n'est pas d'accord de cet accord pour dire entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, je vous jure, regardez jusqu'à présent, jusqu'à là où nous sommes, est-ce que ces frontières, est-ce que les frontières ont été ouvertes encore ou réouvertes? Jamais! Jamais! Parce que le général Omar Sissoko Embalo, il n'est pas d'accord. Je vous dis, c'est le petit de président Macky Sall. Hey, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Si vous vous restez ici à raconter de n'importe quoi pour dire, ouais, le Sénégal va ouvrir. En tout cas, nous allons partager les infos. Je ne sais pas, la confidentialité. C'est sorti ici, c'est rentré par-ci, par-là. Partage des infos. Vous êtes vraiment malade. Alpha Condé, son clan, vous êtes vraiment malade. Vous êtes malade. Vous pensez que le Sénégal est un état voyou comme l'état guinéen aujourd'hui? Vous pensez que le gouvernement sénégalais, c'est un gouvernement voyou comme le gouvernement dictatorial d'Alpha Condé? Là-bas, eux, ils ont des ressources humaines. Il ne s'agit pas d'avoir des ressources naturelles comme chez nous en Guinée. Nous sommes en manque de ressources humaines en Guinée qu'on a créées. On a des cadres malhonnêtes là-bas. Alpha Condé travaille avec ces cadres malhonnêtes. Alpha Condé d'abord, c'est un cadre, il n'est même pas cadre. C'est un homme très malhonnête. Il est très très malhonnête, Alpha Condé. Maintenant, il a fermé la frontière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit Macky Sall est un peu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit que général Omar Sissoko Embalo est un peu. Que ceux-ci sont d'accord avec Selouda Lendjalo comme Selouda Lendjalo est un peu. C'est pourquoi aujourd'hui, le général Omar Sissoko Embalo, il est resté serein depuis le jour. Il a dit, moi, je ne vais pas fermer les frontières entre la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Il a dit que ce n'est pas le problème qui existe entre Alpha Condé et moi. C'est le général Omar Sissoko Embalo qui disait ça. Le problème qui existe entre Alpha Condé et moi ne concerne pas nos deux États. Ne concerne pas nos deux États. Omar Sissoko Embalo n'a jamais combattu les Guinéens qui vivent ici. Nous le savons tous, nous sommes tous ici, les Guinéens qui vivent sur le territoire Bissau-Guinéen. Nous sommes tous respectés, nous sommes au même pied d'égalité que les Bissau-Guinéens. Parce que nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble, nous faisons des mouvements parfois ensemble. Ensemble.
Donc, pour lui, le problème, c'est entre Alpha Condé et le général Omar Sissou Kouembalo. Le problème, ce n'est pas entre la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau. Lui, il n'a jamais accepté de fermer les frontières. Alpha Condé, lui, il a fermé les frontières pour dire qu'il y a une menace, et puis il y a une menace de déstabilisation de son régime dictatorial et criminel. Il a fermé la frontière. Les frontières sénégalo-guinéennes, les frontières guinéo-bissau-guinéennes, il les a fermées. Maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui vient passer. C'est lui qui vient derrière en demandant l'aide du président du Ghana pour venir demander pardon. D'abord, ce dernier est parti au Sénégal, il a demandé pardon au président Macky Sall. Donc voilà, Alpha Condé nous a envoyé, il faut pardonner, il faut réellement qu'on ouvre ses frontières. Maintenant, lors du sommet de la CEDEAO, Omar Sissou Kouembalo a dit clairement, on a tous vu, il a dit si c'était lui, il n'allait même pas envoyer un ministre pour signer ce type d'accord. Parce qu'Alpha Condé n'a pas raison. Il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Parce que là, il ne pouvait pas continuer. Vous le savez très bien, il ne pouvait pas continuer. Et puis, le président de la séance lui a interrompu. Mais le message a été très, très bien passé. Présentement, là où je vous parle, président Ghana, non, Arid Otoragol, Yafie, Innugol, ah, monsieur le président, puis Allah Mounia, Yafie, ou dit tes frontières, parce que vraiment, Alpha Condé, Nisi Kowadikon, on a réjo na premi partage drapeau, j'ai dit, on y a drapeau Ghana, drapeau Bissau-Guinéen, Bissau-Guinéen, no wengi partout, hak aéroport. Maintenant, si je vois ces petits perroquets du RPS arc-en-ciel, ces petits perroquets malhonnêtes du RPS arc-en-ciel qui disent que, Omar Sissou Kouembalo est un petit président. À l'heure où je vous parle, le président en exercice de la CEDEAO est à Bissau pour demander pardon au général Omar Sissou Kouembalo. Il est l'envoyé spécial d'Alpha Condé. C'est pourquoi le jour là, lors du sommet, le jour que Sissoko a dit que Alpha Condé n'a pas le droit de fermer les frontières. Il n'a pas raison. La CEDEAO doit dire la vérité à Alpha Condé. Le jour où Alpha Condé, est-ce qu'il a pu même s'exprimer? La réponse est non. Il était là, il faisait comme ça, tellement qu'il était déçu. Regarde, vous vous imaginez, tu as combattu quelqu'un lors des élections. Tu as lutté contre cette personne pour ne pas qu'il accède au pouvoir. Il a eu le pouvoir. Aujourd'hui, vous avez les mêmes titres. Sissoko même est mille fois plus valeureux aujourd'hui qu'Alpha Condé. Sissoko est mille fois plus valeureux qu'aujourd'hui qu'Alpha Condé. Il est mille fois plus valeureux qu'aujourd'hui. Et qu'Alpha Condé. Aujourd'hui, lui, c'est un président légitime. Légitime. Il est venu au pouvoir, il a payé toutes les dettes de la Guinée-Bissau au niveau auprès des institutions internationales. Que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'OMVG, l'OMVS, que ce soit ses organisations, ses CPLP, que ce soit les Nations Unies, l'Union africaine, il a payé toutes ses dettes. Il a payé toutes ses dettes. C'est pourquoi la Guinée-Bissau est très, très écoutée aujourd'hui. Vous pensez la pagaille qui était en Guinée-Bissau dans les années peut-être 2017, 2016, 2018 et peut-être 2019. Vous pensez à l'heure là, venez voir la Guinée-Bissau, un pays très calme, un pays très très propre. Très très propre. Maintenant, vous êtes là à dire, voilà, Alpha Condé ne va pas dire demander pardon à Sissoko. À l'heure là, le président en exercice de la CEDEAO, il est en Guinée-Bissau pour demander pardon au général Omar Sissou Kouembalo. S'il te plaît, il faut accepter que les frontières sénégalo-guinéennes de Conakry et les frontières guinéo-bissau-guinéennes, qu'on ouvre ces frontières. Il faut accepter. Parce que si tu n'es pas d'accord avec le président Macky Sall, ça n'aboutira à rien. Je vous ai dit ça ici. Maintenant, ça fait combien, peut-être un mois ou de plus, ça fait combien de temps jusqu'à présent l'ouverture des frontières sénégalo-guinéennes, en tout cas, n'a pas eu le jour. Jusqu'à là où je vous parle, ni frontières, ni d'Itaka, mais là, non. Fanny général Omar Sissoko, on a le d'accord. Harata au front, quand que Macky Sall be fa montira billahi di frontières onire. Ni fait notre tension kadino hakunde mabe. Innugol, ou parce que Innugol partage information. Haré sori be Sénégal be partage information ko woni hakunde. C'est que kala ko fait yata donc frontière Sénégal, hara toujours. La frontière sénégalaise sera toujours bien sûr le Sénégalais be andina sori be la Guinée que le Sénégalais be fait tout kambe ko be wonno organiser contre la Guinée wonno ba kambe be mara c'est que ko malhonnête be tout woni ton ko militaire c'est que ko be woni ton be yé Haute Guinée ils sont partis en Haute Guinée recruter les orpailleurs les donso pour les mettre dans l'armée qui n'ont pas de formation
qui n'ont rien, juste pour dire, ouais, c'est une armée manicanisée. Ouais, ouais. C'est une armée purement communautaire. Maintenant, il y a de ces militaires qui n'ont aucun niveau. Là, parce que vous le savez mieux que moi, on ne peut en aucun cas comparer, je dis bien comparer, l'armée guinéenne et celle du Sénégal. Jamais de la vie. Jamais, jamais. C'est très difficile de voir un militaire sénégalais qui ne s'exprime pas en français, qui ne parle pas parfaitement le français. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais, jamais rencontré. Aujourd'hui, tu parles là-bas au ministère de la Défense. 99% c'est les Malinkés qui gèrent. 99% c'est les Malinkés qui gèrent. C'est les Malinkés qui sont là-bas. Le ministre de la Défense, c'est un Malinké. Le chef d'état-major, général des armées, c'est un Malinké, Namori Traoré. Ministre de la Défense, Mohamed Djani. Bafoué qui est là. Bafoué qui est là aujourd'hui. Le directeur général de la police. C'est ce que je disais hier. Alpha Condé, il a augmenté le budget du ministère de la Défense, le budget de la Direction nationale de la police et le budget du ministère de la Justice. Parce que tout simplement, il veut donner la force à son régime dictatorial. Il veut donner la force à son régime dictatorial. Maintenant, c'est ce qu'il pensait. Maintenant, et puis voilà, il ferme les frontières pour raison de sécurité. La Guinée-Bissau est là, le Sénégal. Donc, il a publiquement attaqué le président Omar Sissoko Embalo. Il a publiquement attaqué le président Macky Sall. Oui, mais aujourd'hui, c'est lui qui traîne auprès du président Nana Akufo-Addo. S'il te plaît, frère, il faut aller dire pardon à mon frère Macky Sall pour qu'on puisse rouvrir les frontières. Parce que le Sénégal est 1000 fois plus avancé que la Guinée-Conakry. Vous êtes d'accord avec moi? 1000 fois même. 1000 fois. En aucun cas, on ne peut comparer le Sénégal à la Guinée-Conakry. En aucun cas. Alpha Condé, aujourd'hui, la manière dont même la Guinée-Bissau est organisée, l'organisation de la Guinée-Bissau est 1000 fois plus bonne que celle de la Guinée-Conakry. Vous ne connaissez pas, vous pouvez venir ici. La Guinée-Bissau, une ville très propre. Une ville très propre. Parce que la Guinée aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que ces immeubles que vous voyez, qui montent comme les champions, vous ne pouvez pas nous dire que c'est l'État qui a construit ces immeubles. C'est nous les Guinéens qui sortons. Nous sortons, nous cherchons de l'argent, nous travaillons durement et nous venons investir en Guinée. Et même pour investir en Guinée-Conakry, on n'est pas en sécurité. On voit les Guinéens qui partent aux États-Unis, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont dans les pays africains, qui investissent en Guinée-Conakry. Maintenant, dès qu'ils rentrent dans notre pays, automatiquement, vous allez voir, il y a un bandit qui vient, un militaire, parce qu'on se demande comment ces militaires-là, ces bandits qui tuent les Guinéens, comment ces bandits peuvent avoir des armes? C'est les militaires, les règlements des comptes, ils viennent de Warama pour rien, quoi. Donc carré ko dundon jamaayo andu na yen seti min har lan seti non de nyande ko tawno president Nana Akufo-Addo interrompno yewtere general Omar Sissoko Embalo yoy har lan seti no seda kono mi fami information o moja mi fami information o moja wo il fallait ko intervention ko wadi ko woni legitime parce que kan ko wonno president de la séance on fami kono après don de yey nokugo hakuneng Allah ko gonga mi woni alde ko labi kadi poe après réunion on ko be yeto be parce que kander hotel be retrouver donc kambe président be ko dum be nata hare huis clos loin des caméras hare caméra ala presse fous ala hakunde mabbe don pet Omar Sissoko halani gonga président Nana Akufo-Addo halani gonga kadi Alpha Condé yalti kasal hayo o waynaaki hay goto. Hey, oh, why not? Maintenant, si je vois ces perroquets du RPS Arc-en-Ciel qui sont là, qui prennent Alpha Condé pour leur petit dieu, je ne fais que rire. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo. On doit arrêter le débat. On va la tâche. Moi, j'ai partagé la vidéo. Donc, Harry, toujours, si mi be perroquet du RPS Arc-en-Ciel, behala. Mais à la halde, menen ko. Golle de menjoki. Na hala tun. Alpha Condé yaay woni do e jango. Parce que Alpha Condé fo no andi. Il m'a ronki fendo do vrai. Parce que ça a jodi a analysé andari situation jidi. Andari programme jidi ko nir non.
a inne mimi wakiloto. Mi wakiloto kango alfa kondo wadi kumbenda ni moda ude pouvoir. A la dernière minute. Oh, hebi chance. A la dernière minute. Parce que 2010, un fois d'un andi, hariko dernière chance mako onno. Dernière chance mako onno. Maintenant, ande, d'abord, je me présente à Jama, on dit, oh, dans le cadre, oh, voilà, comme Boudi, ta, ta, tigi, tigi, on, ko, kiri, di, bangure, bay, di, aribo, a dit qu'on, qu'on, dans le Kenya, quoi. Voilà, haré, toujours, veltano, be, inon, be, jara, ma, bui. Voilà, qu'on, dans le cadre, nous, non, voilà, mi, so, di, dans le cadre, Boudi, ko, be, a, du, non, qu'on, 1 000 000, 5 di. Non, la, la, nigoy, aha, na, yon, si, kumina, bane, on, go, digo, kadi. Donc, haré, ko, din, collection, gini. Fait nos collections, quand on est, c'est eux qui sont en train de m'habiller à l'air là. Baïdari Boukiridi Bangoura, les 1 million 100 000 francs qu'ils m'ont envoyé. Voilà, je venais tout juste d'acheter ça, voilà, ce matin. Donc voilà, c'est ça. Habillé par Baïdi Haribo et Kiridi Bangoura. Merci, voilà, vous pouvez leur dire merci quoi. Je pense en tout cas, la cause là est trop cool. Hein. Voilà, donc, programme Jidin. Yahé Marseille, Marseille, ma Marseille kadi. Marseille. Hakkunden Allah Marseille. Hande hande rendo wobbe no irandi mi ala ni jamaa ko moment difficile andata ki e ki fait quoi. Ko hombo woni hombo ko moment difficile andata ko hombo woni neddo ma ko hombo yiduma ko hombo falana ma gonga kan. Fendo do kay FDG menen men andi buy ko hombo woni hombo. Meden andi yimbe buy fendo do. Wobbe no ton tawta hare ko haysko ka direction be woni en yi situation jidi wobbe no ton hay ko ka federation jibe woni en yi programme jidi min mi toroto Allah kala jamfo IFDG yo Allah potting on tigi fes hakunda min kala jamfo IFDG statut kala ko on tigi mari yo yaw min ko dum mi inni neddo yaho publiquement au démission IFDG o yak RP arc-en-ciel mi dum no par exemple wa wa bon wadi am ala halde inde mabbe wobe ndon be ndon no burani lan harata be ndon c'est que lan yidi be ndon buri wono be ka FDG be inne be ka FDG are ko ngal mabbe gauche no ka FDG droite no ka hellato hare be huuli yewtugol donc dum do minni wondo jamfude fop FDG wona ka federation ji wona ka section ji wona ka direction nationale FDG mi torki Allah subhanahu wa taala yalla bonu fi on tigi wa ka FDG fess. Parce que dans une situation de l'école, on est dans une situation on est dans une situation de l'école, 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 on est dans une konon wonir donc are rek il faut aller programme jidi menen meden continue combat on sa fois là en yaw menen meden ga mi turki Allah subhanahu wa taala accalam FDG ha boya juta et que pour toujours parce que min silan andi parti politique ande ko FDG hayna hande parce que ko o parti wadi morlay silla morlay silla son yi par exemple mialta do joni plus de 10 personnes ma ko buri dum don taw si taw tun ko guinéen si mi foti e 100 guinéen do taw 99 Guinéens, notre délan, l'enfant de Kanya, avocat international du président Seloda Lendjalo. Nous n'en faut grâce à l'UFDG. Donc, arrêt, ming, net le jamfo, UFDG, arrêt, comme il m'a dit, là, on est jamfade. Donc, arrêt, bref, nous n'en ça, c'est juste entre guillemets. Donc, arrêt, signoli, madou, si boni, ah ouais, signoli, loubaï, voilà, qu'on a l'air, signoli, loubaï, maïntoum, voilà, arrêt, toujours, qu'on n'en voit le programme, j'ai dit, qu'on a mis au noyau de hande, qu'on a donné, fin de l'eau. Président ghanéen no Guinée-Bissau no ari tigi tigi on e toragol yafie ko Alpha Condé addi mo toragol le président Guinée-Bissau Oumar Sissoko Embalo toragol mo yo munyo yo jabu frontière jidin audité na fi Guinée-Bissau tunde e Guinée Conakry mais frontière jidin c'est-à-dire Guinée-Bissau Sénégal la Guinée parce que min mi hala non dum don si tawi général Oumar Sissoko Embalo jabali so jabali frontière c'est que ce on a d'accord quand que Macky Sall frontière la Guinée Sénégal ou dit attaque que Macky Sall nous andi wa c'est que si ce ko petit mako sir sir ko petit mako sir ko petit mako sir wa tay nous de dit frontière la Guinée Sénégal ara tawa wa wa fa montera le petit mako kun donc are toujours si ko neddo fa mo programme jidin en famay hay on sommet don den nyanden ko non pousse général Oumar Sissoko Embalo yewtirano buari ari no ton
Macky Sall yahano kono ministre des affaires étrangères mako ngarno ton deb bon donc are toujours d'un programme je non Omar Cissokho yewti donc on va mettre un programme en direct Omar Cissokho mbalo no waya ta kure Macky Sall directement na suko minnu mi adata mi ministre bambe be signa et o type accord et fenoro bisaw jawi de billahi bisaw jawi fenoro imaginez anegi fejudi do Hondo bisa o marivoa. Sede ya ojetino gine bisa wada moni. Ko arme interposition wo noro. Sori be sede ya wo noro. Sekirizu kol prezant wo noro. Do siso ko aro. Kono gila siso ko aro nabi be fop. O inni mind o arme do mene min lan konto libe. Deza kankwe mo andu no tere on. Ko fidu ndo Alpha Conde tante coup d'état. Alpha Conde poa honnou amara. Alpha Conde a quel poa pour tenter des coups d'état contre le général Omar Cissokho Embalo. Les coups d'état d'Alpha Condé ne vont jamais marcher. Les coups d'état d'Alpha Condé ne vont jamais marcher contre le général Omar Cissokho Embalo. Autant il n'y a pas d'autre. Maintenant, il y a des gens, lors des élections présidentielles bissau-guinéennes, tellement que les travailleurs de l'ambassade de Guinée à Bissau, tellement qu'ils sont malhonnêtes, je vous jure, ils nous appellent pour nous dire, voilà, nous ne voulons pas que vous vous impliquiez dans la... Dans les affaires intérieures de la Guinée-Bissau, oubliez ces élections, nous sommes étrangers ici. Comme ils ont vu que nous, les Guinéens qui vivent ici, nous soutenons le général Omar Cissokho Embalo. Et eux, dès qu'ils ont compris ça, la majorité écrasante des Guinéens qui vivent ici sont dans la poche ou dans les poches du général Omar Cissokho Embalo. L'ambassade nous convoque. Et il nous dit, nous ne voulons pas que vous vous impliquiez, parce que le parti au pouvoir qui est là, ils sont venus nous voir, que vous supportez l'autre, ceci, cela, c'est sorti par-ci, par-là. Tandis que eux, Alpha Condé envoie les gens, des millions de francs CFA, 500 millions de francs CFA, 500 millions de francs CFA pour soutenir l'autre. L'autre camp, l'adversaire du président actuel, l'adversaire du général Omar Cissokho Embalo. Qu'est-ce que l'ambassade peut nous dire maintenant? Nous connaissons tout ce qui se passe. Le jour-là, j'étais à l'ambassade. Le jour-là, j'étais à l'ambassade, il parlait, l'ambassadeur parlait, son secrétaire général qui m'a menacé de mort l'autre fois, il était assis. Il parlait. Moi, j'ai dit, moi, je ne vais pas me reculer dans ça. Parce que là, je ne vais pas m'afficher. Je suis là, oui, je fais ma petite communication, la communauté guinéenne est là, je parle du président Omar Cissokho Embalo et puis c'est fini. Parce que l'ambassadeur aussi défend ses intérêts. Si vous avez vu le secrétaire général de l'ambassade, M. Dramé, qui est là, m'a menacé de mort en me disant qu'il connaît Bissau plus que moi, qu'il connaît le gouvernement de l'époque plus que moi. Donc voilà, je déconne, il va tirer sur moi. C'est parce qu'il se croyait puissant. Nous, on voit, ils peuvent nous intimider pour dire, ouais, ils sont venus nous voir, ils disent que vous devez arrêter. Djenaba, merci beaucoup, merci. Et ma première femme depuis 2016. Ouais, mais Aminata a gagné le terrain, je ne sais pas pourquoi. Donc, eux, ils étaient là pour nous décourager, oublier. Hey, c'était trop tard. Moi, je vous ai dit, le général Omar Cissokho Embalo est mille fois plus puissant que votre Belérou. Ouak Belérou, il n'a rien à mener qu'Alpha Condé. Diallo Amadou Djoulé, merci beaucoup, merci. Ouak Belérou, il n'a rien à mener qu'Alpha Condé. Omar Cissokho Sembegwa, mille fois. Assemblé Guabe mille fois, n'abegotou. Hé, si on sait peut-être Bissau et Tchanki et Bissau Ande, bébé Anda Bissau, Nyandego Arai, y'a la conscience Aaron Bissau. On a mis au ta et nous de Bissau no laba ou la Guinée. Non, vraiment, on la cosa no laba, vraiment. Veltane Kiridi Bangura, Veltane et Baïdi Aribo, 1 100 000 francs de CFA, on nous a mis. Voilà, mais collection du bouillant saudi de nous a fait notre son ira et nos green ni quoi. Voilà, mi porno cool, mi arakadi, mi déshabillé. Mi déshabillé dictateur mapéon. Voilà, merci. Continuons. Donc, arre bébé anda Bissau. What est tout possible, arre Bissau fait un rôle. Minata Bissau no laba ou la Guinée Conakry. Oh, la Guinée no laba pour Bissau. Maintenant, Alpha Condé dernier de la Guinée. Guinée, mais yal tobe, yango. Et menemi, mais yal aventure. Mais yal mengola, menda pajaoudi. Si men arri. La Guinée me yata mendarna parce que son jeti ding etazi di fo wondo la Guinée hande ko se ke ko diaspora guinéen tu woné darno de non arata wobe go kadi asa haisa se ke sa darni ka surma ida fala ya de ton dara do
benula na mabandi be ya be warama pour rien en yidum don en yidum boy ko tira mengo yuno do États-Unis wondo sanuya wowe sanuya be ye be warimo pour rien du tout be ye be warimo pour rien parce que sécurité ala kale di meni en edin don fo on inne on hulay dictateur Alpha Condé ronkon continue le combat mimi continue combat min kay ab deuxième langue andi quel que soit pedix inshallah c'est lou dalen diallo contrôler lendi donc arrête dun no laban jama on faut donc arrête ko dun don aduno lang andi ngol on Alpha Condé no itti envoyé spécial mako fi argol toragol le général du peuple général El Mouktar Sissoko Embalo woyo munyo audit frontière jidi Omar Sissoko Embalo no indi wo kanko frontière jidi soka kadi O meda sokou de frontière jidi. Donc o meda sokou gol frontière jidi. Alpha Condé fermou do frontière jidi fi Allah woyo ar kanko kade oudita. Parce que kanko mara on capacité na bugol ministre mako singol accord sakalata jinoton o accord ender fenande ni quoi. Vraiment je ris seulement si je vois les RPGistes qui disent qui s'attaquent aux comme ce jeune qui ne se lave jamais là, commandant 5 étoiles ou général 25 étoiles, qui c'est qu'il sent tellement mauvais, il dit que le général Omar Sissoko Embalo a été humilié, c'est sorti ici, c'est rentré par-ci, par-là. Plutôt, c'est votre Alpha Condé qui a été humilié. C'est Alpha Condé qui a été humilié le jour-là dans la salle. La personne que tu as combattu lors des élections, tu n'as pas voulu qu'il accède au pouvoir. Tu n'as jamais voulu qu'il accède au pouvoir. Maintenant, vous vous retrouvez dans une même salle, avec vos titres de président. C'est cette personne même qui te dit que toi, tu n'as pas raison. Tu ne devais pas fermer les frontières. Si aurait été moi, je n'allais pas envoyer mes ministres pour signer ces arts d'accord. C'était les propos du président de la République de Guinée-Bissau. Et votre Alpha Condé, il faisait quoi? Votre Alpha Condé, il faisait quoi? Il faisait comme ça. Tellement qu'il a été humilié. Vous vous dites maintenant que c'est... non, vraiment, ces gens-là vont... Ces gens-là sont vraiment malades, quoi. Vous allez me dire maintenant que c'est Sissoko qui a été humilié. Et après ça, demander Senkoum Kaba, chef protocole d'Alpha Condé, ce qui s'est passé dans la salle, loin des caméras. Dans la salle huis clos, voilà. Demandez Senkoum Kaba ou demandez la délégation qui accompagne Alpha Condé, votre ministre de la Défense. Votre ministre, regardez, même la délégation qui accompagne Alpha Condé. Ils sont tous malinqués. Alpha Condé malinqué. Ministre de la Défense malinqué, ministre des Affaires étrangères, Khalil Kaba, malinqué. Ministre qui encore, son chef protocole, c'est malinqué aussi. Et ils n'ont pas honte s'ils disent maintenant que c'est Lodalen Diallo est le président d'une seule communauté. Moi, Morla Issila, un fils digne de la Basse-Guinée, membre de la coordination de la Basse-Guinée, membre de la cellule de communication de cette coordination, je suis soussou de père et de mère. Je ne suis pas peul. Je suis très très fier d'avoir Seydou Dalen Diallo comme mon président. Un homme qui s'est toujours battu pour la Guinée. Il est peul de par son ethnie, de par sa communauté. Mais il est guinéen. Un peul qui se bat pour toute la Guinée, pour toutes les ethnies de la Guinée qu'on a créées. Quel que soit Pédix aujourd'hui. Personne ne peut dire que Seydou Dalen Diallo n'est pas peur, mais il doit être fier de lui. Est-ce qu'il a payé l'argent pour être peur? Il n'a pas payé l'argent pour être peur. Est-ce qu'Alpha Condé a payé l'argent pour être Burkinabé qui s'est retrouvé en Guinée-Conakry? Il n'a pas payé l'argent pour être Burkinabé qui s'est retrouvé en Guinée-Conakry. Je n'ai pas payé d'argent pour être Soussou. Donc je suis Soussou et je suis fier de l'être. Là, quel que soit Pédix, quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne va jamais, jamais se transformer en un crocodile. Jamais de la vie. Je suis Soussou et je suis fier de l'être. Je suis un Soussou, surtout partisan de l'union des peuples et les Soussous. Que cela soit très clair, je n'ai pas honte de le dire depuis des années. J'ai dit ça ici devant mon écran ici, mon téléphone ou mon ordinateur.
depuis des années. Donc là, je ne le cache pas parce que je sais, Alpha connaît tout ce qu'il fait, il veut plutôt, ou tout ce qu'il est en train de faire, c'est d'opposer les sous-sous au peuple. Mais ça ne va pas marcher. Oh oui. Non, je travaille d'abord après. Donc c'est un peu ça. Je suis partisan des peuls et les sous-sous, l'union des peuls et des sous-sous. Je suis cet homme. C'est pourquoi bientôt je vais marier une femme peul pour mon frère Mohamed Timisila. Mohamed Timisila. Non, non, je ne vais pas. Non, je vais pas une deuxième femme. T'inquiète, ce n'est pas pour moi, c'est pour Mohamed Timi. Hey, toi, tu es bien ici, ma femme, ma chérie. Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Donc, l'union des peuls et les sous-sous. L'autre fois, j'avais fait une vidéo où j'ai demandé plutôt les peuls, les hommes peuls, d'épouser les femmes sous-sous et les femmes peuls. D'épouser les hommes sous-sous. Donc les hommes sous-sous aussi doivent épouser les femmes peules. Parce que là, ça va beaucoup, beaucoup nous arranger demain. Peut-être dans deux décennies, ça va beaucoup nous arranger. Même pas dans deux décennies. Parce que si vous voyez aujourd'hui, Alpha Condé fait tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, il ne veut pas voir l'union des peules et les sous-sous. Il paye certains malhonnêtes sous-sous qui s'écrasent entre eux aujourd'hui. Les Baïdi Haribo, l'homme malhonnête, Molim Touré, et qui encore, Kiridi Bangoura, et Tibou Kamara. Ces gens-là se mangent entre eux aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont sous-sous. Maintenant, aujourd'hui, ils se mangent entre eux. Il y aura beaucoup, beaucoup de limogeages qui arrivent. Alpha Condé va limoger beaucoup de ces cadres malhonnêtes qui ont trahi la Basse-Guinée, qui ont tenu des propos pour dire... Toi, tu es en train d'aider les peuls. Si c'est lui arrive au pouvoir, c'est les peuls qui sont au pouvoir. Et si c'est lui arrive au pouvoir, c'est avec une grosse fierté pour toute la Guinée. Hé, ce que Dieu t'a donné, personne ne peut. Rien contre la volonté de Dieu. Dieu t'a donné ça, Dieu te fait ça. Ah, c'est pas un individu comme ça, un individu quelconque. Ne peut rien, ne pourra rien contre toi. Dieu a donné l'argent aux peuls. Les peuls travaillent. Les peuls travaillent, tu peux voir un peul âgé de 25 ans qui fait un petit commerce. Toi, tu minimises ça. Dans 2 ans, il est devenu maintenant, il a une boutique. Dans 3 ans, il envoie les bateaux. Maintenant, pourquoi nous, les autres ethnies, nous ne pouvons pas le faire? D'autres même me traitent que je suis peul. Ouais, si je suis peul, avec une fierté, hein, franchement, parce que je suis fier de cette communauté. Je suis fier des peuls. Là, je ne le cache même pas. C'est pourquoi depuis mon enfant, d'abord j'ai un meilleur ami qui est Malinké, Ibrahima Fofana, qui est aujourd'hui artiste. Et lui, c'est un ami vraiment, seul Dieu sait. C'est pas même un ami, c'est un frère à moi, c'est Malinké. Mais à part lui, déjà lui et moi, on a des amis peuls. Donc moi, depuis l'enfance, je suis avec les peuls. Et Dieu m'a fait ainsi. C'est pas moi, c'est Dieu. Et depuis lors, j'ai décidé, c'est une femme peule que j'allais marier. Ça, c'était mon rêve. Et je l'ai fait. Donc, ça même, c'est avant même de faire la politique. Quand j'étais à l'UFDG, j'avais dit, c'est pas parce que j'aime pas les femmes de ma communauté. Je respecte les femmes sous-sous. Ma maman est sous-sous, ma soeur est sous-sous. Donc, mes tantes sont... Voilà. Adraman Kamara, je sais, tu me regardes, mais après, on se capte après. Donc, c'est un peu ça. C'est pas parce que je déteste les femmes peules et les femmes sous-sous. J'aime très bien les femmes sous-sous parce que ma maman est sous-sous. Ma maman est sous-sous. Donc, j'ai mes tantes qui sont sous-sous. J'ai ma grand-mère qui est sous-sous. En tout cas, toute ma famille. Je suis d'une famille sous-sous. Mais pour l'union, c'est ce que je disais à mes parents quand je me mariais. Je dis pour l'union des peuls et des sous-sous, je préfère marier une femme peul. J'aime vraiment cette communauté. Et heureusement, ma famille ne s'est pas opposée. Ma famille a dit, voilà tu as le choix. Hein. C'est à toi de voir hein, ce qui t'arrange. Et je suis vraiment tombé sur une femme de valeur, une femme que je respecte, une femme, en tout cas... qui m'a rendu beaucoup, beaucoup plus heureux. Qui m'a montré le goût du mariage.
Franchement. En un mot, je vais dire une femme de chance. Donc voilà, il y a certaines histoires, on ne peut pas rentrer dans ces détails. Mais en tout cas, ceux qui connaissent, c'est une femme, en tout cas, une chance pour moi, je vais dire. Donc c'est une femme. Mamet. Donc c'est un peu ça. Donc je suis très fier de ma femme, je suis fier d'elle, parce que c'est une femme magnifique. C'est pourquoi, voilà. Je m'en fous. Bon, je sais que depuis que je me suis marié, je n'ai pas mes yeux là, mes gros yeux là ou mes petits yeux là. C'est Djenaba seulement que je vois, ma femme du 21e siècle. Mais Aminata a dominé le terrain. Donc je ne vois aucune femme dans ma vie là. Aminata, elle me suffit quoi. Voilà, merci. En tout cas, c'était un peu ça. Bon week-end à tout le monde. Que la lutte continue, que le combat continue. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le courage, la détermination, la motivation de lutter contre le dictateur criminel Alpha Condé. Avec son régime purement communautaire, une armée communautaire, les ministères purement communautaires, Alpha Condé doit tout simplement partir. Et une fois de plus, les perroquets du RPZ arc-en-ciel qui disent que le général Omar Sissoko Embalo, donc est un petit président, venez voir là où je vous parle maintenant là. Le président du Ghana est là, le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique occidentale. Je vous jure. Il est là, c'est l'envoyé spécial d'Alpha Condé. Seigneur, non, vous pouvez regarder en ce moment. Vous parar, pour favor. Autre vège. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est règle, c'est un peu ça. Pas plus, pas moins, c'est un peu ça. L'envoyé spécial de votre dictateur, de votre criminel Alpha Condé, l'homme malhonnête, il n'est pas président. Pour moi, il n'est pas président. Pour les Guinéens, il n'est pas président. C'est un dictateur qui est là. Le président de la communauté mandingue qui est là, Alpha Condé. Le président des malinqués. Mais pas tous les malinqués. Parce que nous avons les militants de l'UFDG qui sont malinqués. Mais même ces malinqués qui sont à l'UFDG, savent réellement que je ne suis pas contre la communauté malinquée. J'ai une famille malinquée. Et j'ai cette famille avec une grosse fierté. Mais la vérité, si je ne dis pas, c'est que j'ai trahi le peuple de Guinée, j'ai trahi l'UFDG. Et je vais dire cette vérité. Vous avez vu, il fait un moment, la communauté Soussou, je parlais à ma communauté pour dire, il faut qu'on évite de tomber dans les pièces d'Alpha Condé. Donc, pour ne pas qu'on combatte, qu'on lutte contre les peuls. Plutôt, après la basse Guinée, directement, on rentre au Fouta. Ça, nous sommes comme ça. Il n'y a aucune frontière entre la basse Guinée et le Fouta. Donc, nous sommes comme ça. Et moi, je suis fier de ça. Je suis vraiment fier de ça. Laisse ça. Mon frère, on va parler de madame. Attends, madame est en train de préparer. Non, madame, seulement je l'aime, c'est ça, rec. C'est fini. Donc, c'est ça, après la basse Guinée, directement, c'est le Fouta. Même Télémélé, c'est la basse Guinée. C'est la Guinée maritime. Télémélé fait partie de la basse Guinée. Télémélé. Là-bas, c'est les peuls seulement qui sont là-bas. Mais c'est la basse Guinée. C'est la basse Guinée. Est-ce que aujourd'hui peut nous diviser, peut diviser les Soussous et les peuls? Jamais, pas aujourd'hui, pas demain. Donc, je ne fais que rire. Je sais, moi, je suis sur le bon chemin. Personne ne peut et ne pourra diviser les peuls aux Soussous. Tout ce que je demande aux peuls, à mes beaux-parents, parce que c'est bon, les peuls sont mes beaux-parents, donc c'est ça. Donc, tout ce que je demande aux peuls, c'est d'accepter, de coopérer toujours avec la communauté Soussous, avec les Soussous, d'avoir un groupe mixte. C'est pas, voilà, de voir que ce groupe est ici à Amdanlaï, c'est que les peuls. Ou bien, il y a ce groupe ici à Matoto, c'est que les Soussous. Non, j'aime pas ça. Ma lutte aujourd'hui, c'est de voir comme moi, je suis Soussou, mais même ici à Bissau, je pense pas si j'ai un ami Soussou. Hein. Je pense pas. Je n'ai pas un ami Soussou. Tous mes amis sont peuls. Hein. Là, ça, c'est depuis en Guinée qu'on a créé. À Bissau ici, non, j'ai pas un ami Soussou. Je n'ai pas un ami Soussou. Tous mes amis sont des peuls. En Guinée, on était comme ça. On formait plutôt un bloc.
Il y avait Malinke Ibrahima Fofana. Il y a mon pote Amadouri qui est aujourd'hui au Togo, à Lomé, qui me suit présentement. Il y avait Bouba, il y avait moi. Il y avait qui est-ce qu'il y avait un forestier là-bas? Oh, oui, on avait des amis forestiers. Donc c'est un peu ça. Avoir des amis, former un bloc mix, les peuls, là vous tissez des relations. Ça va beaucoup nous arranger.